Le projet des vedettes de Paris qui est lauréat aujourd'hui, il s'agit de rétrofitter la flotte de bateaux en 100% électrique, c'est-à-dire 4 bateaux de grande capacité pour faire des croisières touristiques sur la Seine. On a pris la décision de se lancer dans le rétrofit en octobre 2021. C'était suivi par une première période d'études techniques, puis d'appels d'offres pour la fourniture en batterie et en moteur électrique. Appel d'offres également pour tous les travaux à faire sur la carène du bateau pour améliorer l'hydrodynamie. Le bateau est enfin rentré au chantier en novembre 2022. La semaine prochaine, il est mis à l'eau. Donc début de juin 2023, il est mis à l'eau et il sera mis en exploitation courant juillet 2023. L'objectif, c'est d'électrifier au moins 4 bateaux sur 5 que constitue notre flotte. Ce sont des bateaux fluviaux de transport de passagers qui peuvent accueillir jusqu'à 250 passagers. Qui font 30 mètres de long. On n'a pas fait ça du tout sous la pression quelconque de notre clientèle. Ça a été vraiment un engagement volontaire de notre part suite à la participation à la Convention des entreprises pour le climat et à la compréhension des enjeux climatiques. Néanmoins, pour notre clientèle, cela va être un grand pas dans le confort de l'expérience puisque qui dit moteur électrique dit silence.